Bonjour et bienvenue à notre tout premier MEP Basecamp en France. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marc de Fleury, le directeur commercial de Trimble MEP. MEP pour rappel, pour signification Mechanical Electrical Plumbing en anglais, ce qui correspond en français à la CVC, hein, chauffage, ventilation, climatisation, le sanitaire, l'électricité et également le sprinkler. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux à nous suivre et cela fait du bien de se connecter en ces temps un petit peu particuliers. C'est vrai que nous participons habituellement à de très nombreux événements, des salons, des tours de France, des échanges autour de BIM. Mais les circonstances actuelles ne permettent pas de le faire de manière optimale. C'est pour cela que nous vous proposons cet événement pour la première fois entièrement en ligne, afin qu'on puisse interagir avec le plus grand nombre d'entre vous, quel que soit votre lieu géographique, sans perte de temps, sans coût de déplacement et bien entendu sans risque sanitaire. Pensons chez Trimble que nous sommes entrés dans une nouvelle ère, avec de nouvelles façons de collaborer, et pour cela nous avons un slogan, Restons connectés. Je vous propose donc de commencer cette keynote avec une vidéo d'introduction de ce qui est possible avec Trimble. Comment Trimble MEP réussit à transformer la façon dont le monde travaille, en persévérant dans sa quête en matière d'optimisation, en sortant des sentiers battus, en identifiant les challenges face à des flux de travail en constante évolution, en rejetant le statu quo. Trimble MEP transforme la façon dont le monde travaille en innovant et en se mettant à la place des clients, en s'imposant avec une vision née de leur expérience de plusieurs décennies dans le métier. En coopérant activement avec les entrepreneurs, installateurs, bureaux d'études, distributeurs et fabricants. En testant encore et toujours, nous transformons la façon dont le monde travaille en rêvant et brisant les conventions. En ciblant nos innovations. En créant des solutions simples nées d'une appréhension unique des complexités à combattre. Nous transformons la façon dont le monde travaille en respectant notre culture visant à la prospérité de tout un chacun. En saisissant chaque opportunité pour aider nos clients à satisfaire la demande, à respecter leurs délais, à changer leur perception du possible pour qu'ils transforment eux aussi la façon dont ils travaillent et le monde autour d'eux. Nous vivons des temps très particuliers avec de nombreux défis, un impact très fort, mais aussi de nombreux changements, que ce soit dans notre vie sociale, personnelle, avec nos amis, notre famille, mais aussi dans notre vie professionnelle. Chez Trimble, nous avons adapté l'ensemble de nos outils de travail très rapidement afin de pouvoir passer en full home office avec de nombreux outils collaboratifs pour assurer d'une part la continuité de service tout en garantissant notre exigence de qualité. Mais aussi de proposer aux besoins, à vous, nos clients, nos partenaires, des licences de logiciels, StabiCAD, Trimble Nova, Trimble Connect, pour pouvoir avancer sur vos projets depuis la maison. Nous avons tous commencé à travailler d'une manière différente. La technologie, le digital permet de faciliter cela et nous devons en profiter maintenant en investissant sur les nouvelles technologies innovantes, la formation afin de transformer notre façon de travailler pour aller plus vite, être plus efficace, se créer de nouvelles opportunités en allant chercher du nouveau business, de nouveaux projets pour aujourd'hui, mais aussi pour préparer l'avenir. Je vais désormais laisser la parole à notre CEO, notre PDG, Rob Painter, pour une courte introduction de Trimble en général, et plus particulièrement de Trimble Buildings dans le monde de la construction, et la mission que nous nous sommes donnée, qui est bien écrite par notre baseline, notre slogan. Transforming the way the world works, qui pourrait être traduit par quelque chose comme transformer la façon dont le monde travaille. Puis à notre vice-président et général manager de Trimble MEP, Lauren Smith, qui nous fait le plaisir de vous présenter la vision Trimble MEP et le processus que l'on nomme chez Trimble le Constructible Process, soit le processus constructible que l'on évoquera dans de nombreuses de nos présentations aujourd'hui et dans les mois à venir. Hi everyone, welcome to Trimble MEP Basecamp. My name is Rob Painter, I'm Trimble's CEO, and it's a pleasure to welcome you today and to have an opportunity to give you a short overview of Trimble before you get into your specific MEP content today. So let's jump right into it. Then let me start by talking about the mission of Trimble. The mission at Trimble is to transform the way the world works. We've been talking about this since 1978 when Charlie Trimble founded the business. 42 years later, we've had a remarkable story of growth and innovation. We're over $3 billion in turnover today with over 11,000 team members at Trimble doing business in well over 100 countries. And we believe a lot of the magic happens at Trimble at the intersection of domain knowledge and innovation. So for us, it's very important that we hire people who come from the industries that we serve, who know the problems that you face and the challenges that you face every day,
and then putting the R&D, which is to say the money, behind the innovation and the technology to continually make it better. So at Trimble, we're putting well over $400 million a year back into the technology. Now, if we look at the industries we serve today, they're primarily in construction, surveying, transportation, and agriculture. And there's a level of pervasiveness of Trimble technology. I think you probably interact with Trimble technology every day in your life and don't actually even realize it. We're helping farmers feed a world's growing population. We're helping transportation companies move the goods of commerce. In construction, engineering and construction, we're helping you build our infrastructure of tomorrow and our buildings of tomorrow. There's a lot to be proud about for us who work at Trimble and the impact we're able to help make on the world and the impact we're able to help make on your work. So if we talk a little bit more specifically about construction, the strategy within construction is that of a connected construction strategy. And for us, what that means is we look at the stakeholders within the industry. So think architects, engineers, contractors, owners. We want to connect that work, and we want to connect that across the entire life cycle of construction. So from that plan and feasibility phase, all the way through the design and engineering and estimating and building process, and through into the operations and maintenance phase of the building process. So I'm going to stop there and again, thank you for taking the time to be with us today. I hope you get a lot out of today's session. Enjoy and be safe. Be well. Thank you. Hi, everyone, and welcome to MEP Basecamp. My name is Lawrence Smith. I'm the Vice President and the General Manager of the MEP Division here at Trimble. Thanks for spending your time with us today. We know that your time is valuable, so really appreciate that you've come to join us and spend that time with us here at MEP Basecamp. First of all, I wanted to describe a little bit about our business. So if you don't know Trimble so well or understand how we work in a global setting, we're basically active in three key regions. So North America, the UK and Central Europe, and of course in France. We have about 100,000 users worldwide, and we're a dedicated team of about 650 people. And if you add our contractors on top of that, almost about 1,000 people that are involved in the MEP industry. So mechanical, electrical, plumbing, and making sure that we're bringing the right solutions to market. And when we think about the solutions that we want to offer the industry and how we want to go about that, we want to think about a transformative process. And at Trimble, we like to call that the constructible process, and I'll explain what that is. But basically, it's three key things: a constructible model, connected information, and content enabled. So anyway, hopefully we've given you a taste of some of the content that we're going to cover today at MEP Basecamp. It's great to have you with us. Thank you. Merci Rob, merci Lorenz d'avoir pris le temps d'échanger avec nous concernant Trimble, Trimble MEP et votre vision. Tout ceci est notamment mis en évidence dans le musée du futur de Dubaï, que Lorenz a déjà évoqué. Il s'agit d'un espace d'exposition qui présente des concepts, des services et des produits futuristes. En fait, c'est l'une des constructions les plus complexes au monde. Pendant la phase de conception, le musée du futur a impliqué une énorme quantité de données provenant de nombreuses disciplines différentes. Cela a poussé notamment l'ingénierie structurelle à ses limites. C'est ce qui met en valeur la créativité de ce qui est possible en utilisant une technologie de modélisation innovante. La solution Tecla de Trimble était la solution idéale pour disposer de ce type de détails et des tolérances nécessaires pour construire un bâtiment aussi élaboré. En ce qui concerne la partie CVC, c'est la solution SysQ de Trimble qui a été utilisée. Le SysQ étant une solution de type StabiCAD qui est distribuée et développée par Trimble en Amérique du Nord. Le processus constructible et les nouvelles possibilités des logiciels comme Tecla, StabiCAD, Trimble Nova et l'utilisation du contenu constructible auront ce genre de construction possible. C'est aussi parce que Trimble est présent dans l'ensemble du cycle de vie du bâtiment que cela est possible. Depuis la phase de la planification, de l'architecture avec des solutions que vous connaissez certainement comme SketchUp, mais aussi dans la conception, l'estimation ou l'installation avec des solutions comme Tecla pour la structure, StabiCAD et Trimble Nova pour le MEP, le fluide.
mais aussi dans la maintenance du bâtiment, par exemple. Et bien entendu, dans toutes ces phases, du contenu Trimble est disponible sur mes différentes plateformes, comme sur mapcontent.com, par exemple. Et notre outil collaboratif, Trimble Connect, permet de se connecter, d'échanger vos modèles, vos annotations. Chez Trimble, nous sommes promoteurs et faisons tout notre possible pour aller vers un processus constructif. Car nous pensons vraiment que c'est ainsi qu'on pourra dessiner, concevoir et fabriquer des bâtiments de meilleure qualité pour les générations futures. Ce processus constructible est constitué de trois composantes clés. Nous les appelons les 3 C. Et elles sont présentes tout au long du cycle de vie du bâtiment. La première, constructible. On pense que des modèles constructibles avec de l'information des processus si précis que vous devez pouvoir construire avec. Nous savons qu'en agissant sur la data, l'information dans les modèles le plus tôt possible dans les phases de cycle de vie du bâtiment, cela permettra d'anticiper les risques, les erreurs et donc de diminuer les coûts et à la fin d'être plus efficace. Et au final, pourquoi ne fabriquerions-nous pas nos projets 2 fois, dont une fois virtuellement, les fameux jumeaux numériques ou digital twins. La seconde de ces composantes, le content enabled, on pourrait traduire cela en français, le contenu utilisable, dans le sens où nous devons tous, quelle que soit la phase du cycle de vie du bâtiment, utiliser du contenu ouvert, consistant, utilisable avec les divers logiciels du marché, riche de détails, tout en améliorant l'intégration des fabricants, des industriels du MEP, des fluides par exemple, qui jouent également un rôle important dans le processus de construction du bâtiment. Du contenu constructible doit signifier la même chose à toutes les personnes qui y ont accès. Ça ne doit pas être interprétable afin d'éviter toute confusion sur ce que c'est comme type de contenu, ce à quoi il est destiné ou sera utilisé et comment il sera installé. À ce titre, Trimble est le leader mondial du contenu constructible avec plus de 31 millions d'objets. En ce qui concerne notre industrie du MEP, nous avons chez Trimble la plateforme MEP Content, qui est, comme son nom l'indique, la base de données spécialisée en contenu MEP, en contenu fluide. Sur cette plateforme, vous ne trouverez pas de portes, de fenêtres, que des objets fluides du domaine de la CVC, de la plomberie, de l'électricité ou du sprinkler. Vous pourrez y trouver des objets au format DWG, RFA, Revit, IFC. Et tout ce contenu est consistant et développé au format EMCS, l'Extended Map Content Standard, qui vous garantit que notre contenu est de qualité et aura toujours le même comportement avec vos logiciels, car fabriqué par nos équipes en interne, toujours selon le même procédé, tout en respectant les normes BIM des principaux pays. Aujourd'hui, nous avons plus de 100 000 ingénieurs MEP qui utilisent notre contenu, plus de 340 fabricants fluides représentés et plus de 700 000 produits. Sachant qu'avec l'usage de logiciels comme StabiCAD, nous vous proposons la possibilité de créer vos propres objets de manière très très simple. Et par conséquent, de générer une quantité infinie d'objets BIM au format RFA ou DWG. Vous apercevez notamment ici une liste non exhaustive parmi les 340 fabricants fluides présents sur mapcontent.com. Pour accéder à tout ce contenu, vous pouvez directement télécharger notre outil gratuit qui s'appelle le navigateur mapcontent, disponible sur mapcontent.com, et ainsi directement l'installer dans votre bandeau d'AutoCAD ou de Revit pour pouvoir sélectionner des objets et les intégrer directement dans vos projets. Et pour finir, la troisième composante, le troisième C, Connected ou Connecté, pour rompre avec les silos, améliorer l'interopérabilité, une meilleure gestion des documents, de l'information entre les équipes localement et dans le monde. Toutes les données et toutes les informations disponibles dans le monde ne servent à personne si elles ne peuvent pas être partagées, discutées, comprises et intégrées dans toutes les étapes d'un projet facilement et rapidement. Nous avons dans notre portfolio un outil collaboratif qui fonctionne dans le cloud, comme d'autres. Le nôtre s'appelle Trimble Connect. Nous l'avons bien entendu développé afin de pouvoir mieux communiquer et améliorer l'interopérabilité entre nos différents produits et services Trimble, de la conception jusqu'à la maintenance de la construction. Cependant, l'un des gros points forts est le fait qu'il soit ouvert, et tout particulièrement dans cette industrie. En effet, notre outil de collaboration ne fonctionne pas uniquement avec les produits et les solutions Trimble. Concrètement, Trimble Connect est peut-être le seul endroit virtuel au monde où vous pouvez par exemple coordonner un modèle architecture Revit et un modèle structure Tekla dans le même projet BIM. Et si nous avons plus de 10 millions d'utilisateurs de Trimble Connect, ce n'est certainement pas un hasard. BIMMe est un autre outil qui illustre bien ce côté connecté. Pour ceux qui ne connaissent pas BIMMe, il s'agit de notre outil qui a été développé pour notre communauté et ingénieurs MEP utilisant StabiCAD. Ils pourront gérer leur ticket de support, voir le suivi, échanger avec d'autres utilisateurs StabiCAD, voir leur licence, trouver les mises à jour et des informations complémentaires. Enfin, je ne vous en dis pas plus pour ne pas y spoiler la session BIMMe qui aura lieu après cette keynote, mais en tout cas, je vous invite à la regarder. Je ne peux vous présenter cette keynote sans parler de formation. En effet, nous savons
ou proposer des formations pour nos solutions MEP, que ce soit Stabilcad, Trimble Nova ou même Trimble Connect, en inter-entreprise, en intra-entreprise, et bien entendu également en ligne, à distance. Nous étions déjà prêts avec cette technologie avant la pandémie, mais il est vrai que nous privilégions aujourd'hui beaucoup cette solution, car elle est moins coûteuse, elle n'engendre pas de frais de déplacement ou de frais de bouche, et c'est plus souple. Ce sont de vraies formations limitées à 8 personnes maximum, avec un formateur en direct, qui partage son écran avec vous. Vous n'avez pas besoin de PC ou de faire une installation, vous travaillerez sur une machine virtuelle. En fait, il n'y a que des avantages. Vous êtes déjà très nombreux à en avoir bénéficié ces derniers mois. Trimble MEP France propose à l'ensemble des professionnels du génie climatique et du génie électrique deux solutions logicielles métiers de CAODAO en 2D, 3D, qui couvrent les besoins en conception, exécution et en installation du bureau d'études à l'installateur. Ces solutions sont Stabilcad 12 et Trimble Nova. Elles permettent des gains de productivité très importants avec de nombreux outils et fonctionnalités comme la gestion des pointants gravitaires, les calculs et les redimensionnements intégrés aux normes DTU, les réservations, la préfabrication. La principale différence entre ces deux solutions tient dans le fait que Trimble Nova possède un noyau graphique totalement indépendant de toute autre solution du marché et OpenBIM, alors que Stabilcad s'installe sur plateforme Autodesk, AutoCAD ou Revit. Ce qui nous permet chez Trimble MEP de pouvoir vous conseiller en toute indépendance sur la solution qui vous conviendra le mieux en fonction des critères que peuvent être le secteur dans lequel vous travaillez, les partenaires avec lesquels vous collaborez, votre volonté d'investir de nouveaux marchés. En tout cas, nos équipes techniques et commerciales sont là pour vous accompagner dans vos décisions. Je pense que le processus constructible et les 3C sont désormais des concepts qui sont clairs pour vous. Je vous propose donc désormais de voir les sessions que l'on vous propose dessus. Elles sont au nombre de 18. Elles concernent Trimble Connect, Map Content, BIMI, comme indiqué plus tôt, mais aussi plus de 7 sessions concernant Stabilcad pour AutoCAD et Revit, concernant par exemple l'électricité, la préfabrication, la plomberie et les gravitaires. Et les nouveautés, bien entendu, de la nouvelle version Stabilcad 12.17. 7 autres sessions concernant Trimble Nova, sur les locaux techniques, la préfabrication, gestion de projet, les échanges IFC, et bien entendu, les dernières nouveautés de la version Trimble Nova 16. Il y a aussi une session concernant les solutions d'estimation qu'a notamment évoqué Lauren Smith lors de sa keynote, qui sont des solutions commercialisées aux États-Unis et en UK, et également en Suisse. Je vous invite à regarder, ça vous permet encore de mieux comprendre l'intérêt de la stratégie du processus constructible et des 3C, en ayant les bons outils logiciels, le contenu et la connexion. Vous recevrez un email juste après cette keynote avec un lien pour pouvoir suivre ces sessions. Mais avant de nous quitter, dans le cadre de ce premier MEP Basecamp en France, nous aimerions vous proposer des offres promotionnelles réservées exclusivement aux personnes qui ont assisté à cet événement. Cette première offre est une remise de 15% pour toute formation en ligne sur les formations Stabilcad, Trimble Nova ou Trimble Connect. La seconde concerne notre solution de plateforme collaborative Trimble Connect en version business ou business premium avec une remise de 25%. Et pour finir, pour toute commande globale de Stabilcad ou de Trimble Nova associée à Trimble Connect et à une formation, à 20% de remise. Merci de contacter le responsable de votre secteur ou nous envoyer un email à mepinfo-du6fr@trimble.com pour bénéficier de l'une de ces offres. Vous recevrez un petit email avec l'ensemble de nos contacts juste après cette session pour plus de détails au besoin. Avant de lancer les 18 différentes sessions, nous vous proposons de démarrer une séance de questions-réponses sur les sujets présentés lors de cette keynote. Sur Trimble en général, le processus constructible, mais aussi Stabilcad, Trimble Nova, Trimble Connect. Et pour cela, nous avons la chance d'avoir la participation de Thomas Tremocero, notre responsable technique, et de Julien Brousse, notre product management pour Trimble Nova. Thomas, Julien, superbe. Bonjour Marc, bonjour Julien, bonjour à tous. Bonjour merci à tous. Bonjour Marc, bonjour Thomas. On vient de vous afficher juste en dessous donc cette diapositive question qui vous permet donc de poser vos questions comme on vient de vous l'indiquer. Voilà, donc n'hésitez pas, on voit que les premières questions arrivent. Je vais peut-être prendre la première des questions. Thomas, Julien,
où est-ce que je peux trouver les sessions? Donc, on a effectivement, j'ai évoqué les 18 sessions. C'est très simple, vous allez recevoir un petit email d'ici quelques instants, si ce n'est pas déjà le cas, sur lequel vous pourrez cliquer directement le lien pour pouvoir voir l'ensemble des sessions, que ce soit la keynote, par exemple, de Rob Painter, ou les sessions de Stabicad, de Trimble Nova ou autre. Julien, je te laisse peut-être prendre la question suivante. Peut-être plus bien sûr. Toi. Bonjour, les objets MEP Content sont-ils compatibles avec Nova? Merci. D'un point de vue format ou d'un point de vue digital, la réponse est non, puisque les objets MEP Content sont au format RFA. Maintenant, je ne vais pas bien sûr me contenter de cette réponse. Les objets qui sont disponibles sur la plateforme MEP Content le sont ou le seront par extension disponible pour Nova, c'est-à-dire que on procède à une mise en commun de la data digitale fabricant de telle manière à ce que dans le futur, la mise à disposition de ce contenu ne dépende pas d'une plateforme ou d'une autre. Voilà, c'est évidemment un process qui va demander un petit peu de temps. Néanmoins, sachez que dès aujourd'hui, on a implémenté cette stratégie de mise en commun, ce qui vous permettra, par exemple, en tant qu'utilisateur Nova, demain, de bénéficier de ce contenu, même si ce n'est pas encore le cas, forcément, pour tous les objets aujourd'hui. Merci, Julien. Comme vous le voyez sur cette slide, sur cette diapositive, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous sélectionnez le petit onglet questions et vous tapez la question dans le petit dialogue. Et puis, si ce sont des questions plutôt relatives à l'aspect Stabicad, c'est plutôt Thomas qui y répondra. Si c'est plutôt au niveau de Trimble Nova, c'est notre ami Julien qui répondra. Et puis, si c'est un peu plus généraliste, je me ferai un plaisir d'y répondre. Est-ce que vous m'entendez bien? Juste parce que j'ai un commentaire là, quelqu'un qui me disait qu'il ne m'entendait pas bien. Thomas, Julien, vous m'entendez? Moi, je t'entends très bien, Marc. Oui, très bien. Ok, d'accord. Donc, je continue. Ok, participation à BIMworld. Participation à BIMworld, c'est une question qu'on me pose. Je ne sais pas si certains d'entre vous avaient l'intention de venir à BIMworld. Vous avez peut-être vu le message officiel de BIMworld. Donc, l'événement physique de BIMworld a été annulé. Il restera une version online. C'est vrai que nous, chez Trimble, on a, pour des raisons, je dirais, sanitaires, décidé de ne pas se présenter à BIMworld cette année. On reporte ça à l'édition suivante, malheureusement, pas cette année. Mais c'est aussi pour ça qu'on a ce MEP Basecamp, où on a des sessions vraiment très spécialisées sur Trimble MEP, sur nos logiciels, nos différentes solutions. Et ça nous permet d'avoir un message bien plus, je dirais même plus précis, et finalement même peut-être plus facile encore que juste sur un stand. Bien entendu, nous, les gens d'Europe du Sud, on aime bien se voir physiquement. Bon, c'est reporté cette année, comme malheureusement beaucoup de salons. Il y en aura d'autres, mais en tout cas, on aura plaisir de vous voir en 2021 sur notre stand à BIMworld. Et ici, bah, aujourd'hui, on a le même Basecamp, du coup, donc profitons-en. Voilà. Une petite question pour toi, Thomas. Là, je vois, l'outil Stabicad est-il bien adapté au marché français? Oui, effectivement. Alors, en ce qui concerne, on va dire découper ça en deux aspects, plutôt la partie contenu déjà et la partie norme de calcul. Pour toute la partie contenu, donc on en a parlé juste avant dans la présentation, via MEP Content, on va avoir donc une grosse base de contenu qui va être effectivement dédiée au marché français, même si on a une base de développement à l'international. Voilà, tout a été normé, on a une charte de développement interne, mais bien sûr, chaque pays va avoir le contenu correspondant à son marché, et c'est exactement le même principe pour les normes de calcul. On va intégrer donc toutes les normes DTU, toutes les normes EN qui sont en vigueur chez nous pour pouvoir avoir un outil vraiment complet, mais vraiment dédié à notre marché. J'aurais envie de... Il n'y a pas la question, mais j'aurais envie d'étendre un peu la question à Julien. Niveau de Trimble Nova, finalement, parce que pourquoi pas poser la question pour notre autre solution? Oui, c'est, malgré le fait qu'on fonctionne sur des plateformes ou sur des noyaux distincts,
Sans te paraphraser, Nova, sans te paraphraser, Thomas, ma réponse sera extrêmement similaire à la sienne. Ouais, c'est globalement, Notamment c'est ce sur le que fait de découper cette réponse sous les deux axes, enfin, sous les deux formes suivantes, d'un côté plutôt orienté contenu et d'un côté plutôt orienté norme de calcul. Ouais, globalement, c'est bon, c'est ce que je voulais dire. Quelle que soit la solution, aujourd'hui, on a des solutions qui respectent les normes du marché français. Donc, voilà, c'est quelque chose pour nous chez Trimble MEP qui est clé. Donc, on soit d'un côté sur Trimble Nova, sur le noyau indépendant ou Savvy4, qui est une solution, donc plugin, comme vous avez pu comprendre, pour solution Autodesk, AutoCAD ou Revit, on a les normes du pays et la localisation, comme on aime bien appeler ça, qui est un peu un terme un peu générique. Ouais, c'est-à-dire que peut-être pour compléter ton commentaire, ça peut parfois peut-être effectivement amener à confusion le fait qu'on propose des suites logicielles qui ne sont pas uniquement dédiées au marché français. Par exemple, dans le cadre Nova, on va proposer des procédés de calcul pour la Suisse, pour la France, pour l'Allemagne concernant le dimensionnement de l'alimentation sanitaire. Par contre, via cette notion de localisation, on va être capable de proposer pour chacun des pays les calculs spécifiques, adéquats, nécessaires aux clients. Et c'est bien sûr la même chose pour StabiCAD. Merci Julien. Donc il y a des questions qui arrivent. Donc on va essayer de répondre à tout le monde. J'essaie de faire dans l'ordre. Donc là j'en ai une, bah, je peux répondre moi. J'étais très intéressé par la présentation de Rob Painter, Lorenz. Où est-ce que je peux la voir? J'ai un petit peu répondu tout à l'heure, mais juste peut-être que la personne n'a pas entendu ma réponse, donc je me permets de le répéter. Vous allez recevoir un petit email si ce n'est pas déjà le cas, avec le lien pour pouvoir voir les différentes sessions, mais également les sessions de la keynote de Rob Painter et de Lorenz. Celle de Lorenz est un peu plus longue que celle qu'on vous a diffusée là. Comprendre, hein, ils sont basés à Denver, donc ils ont quand même 8 heures de décalage, si je ne me trompe pas. Donc ça faisait très très tôt pour eux, 10h28 ou 10h du matin. Donc, mais il y a une session donc un petit peu plus complète, donc je vous invite à les regarder. Celle de Rob Painter est en anglais complet. Celle de Lorenz, elle est sous-titrée entièrement en français, si je ne me trompe pas. Enfin bon, voilà, je vous invite à les retrouver directement. Voilà. Je vois qu'il y a une autre question en dessous. Avez-vous une version éducation? Oui, nous avons des versions éducation, quelles que soient nos solutions. Hein, encore une fois, Trimble Nova, StabiCAD, peu importe, nous avons des solutions éducation. Je vous invite à nous faire un petit email sur notre adresse mail classique que vous avez retrouvée un peu partout pour poser des questions. Mais l'idée, c'est de pouvoir essayer d'aider les établissements scolaires, je pense notamment au BTS Fed par exemple, de pouvoir essayer de les équiper, mais de les équiper dans de bonnes conditions, donc avec un accompagnement, formation au niveau des professeurs, etc. Donc, je ne sais pas si la personne qui me pose la question est un professeur ou si c'est un professionnel dans un bureau d'études ou chez un installateur ou même un étudiant, peut-être, je ne sais pas. Voilà, mais recontactez-nous directement et on vous donnera tous les détails précis. Mais oui, nous avons des programmes d'éducation. On donne quelques informations sur notre site web. Donc, je vous invite aussi à aller voir sur le site web pour regarder un peu plus. Je vais prendre la prochaine question, Marc. Vas-y. Donc une question pour savoir un petit peu comment est gérée derrière la partie de support technique sur les différentes versions logicielles. Donc on a une équipe dédiée, donc c'est l'équipe dont je m'occupe qui va s'occuper de former les personnes, bien sûr, et surtout derrière de pouvoir gérer un support technique. C'est un support qui va être basé en France, avec des gens qui sont vraiment issus du métier, donc qui sont vraiment compétents en la matière. Un support qui va être ouvert de 9h à 17h et sans restriction particulière, qui est limité à partir du moment où vous êtes client. Il n'y a pas de surcoût particulier, vous n'avez pas le droit à un package d'horaire, hein, vous faites appel au support et c'est accessible soit par mail, soit directement via l'espace client qui s'appelle donc l'espace BIMMI, où vous pouvez retrouver même l'historique de vos requêtes avec les réponses, bref, tous les échanges que vous avez pu avoir avec notre équipe de support. Okay. Merci Thomas. Qu'est-ce qu'on a ici après? Tu as repéré des choses pour toi peut-être, Julien? J'ai quelques questions effectivement qui concernent Nova.
Nova permet-il de collaborer avec des architectes travaillant sous Revit? La réponse est oui, bien évidemment, tout simplement parce que techniquement, sinon, on n'aurait pas une solution logicielle qui serait viable pour le marché français, étant donné l'importance, la présence de Revit sur le marché. Donc, la réponse, bien sûr, c'est oui. Ça va se faire via IFC. L'interface IFC dans Nova, c'est une interface qui a maintenant entre 5 et 10 ans d'expérience. C'est donc un produit qui est arrivé à un certain stade de maturité et qui va permettre notamment de prendre en charge, au-delà des cas classiques, un certain nombre de cas qu'on pourrait considérer soit comme exotiques, soit comme complexes, notamment dans le cadre de la collaboration avec Revit. Je vais citer un exemple. On a fait par le passé, ça c'est pas propre à Nova, hein, c'est propre aux échanges de manière générale, pardon, IFC entre Revit et une solution logicielle tierce. On avait des problèmes en fait de mise en commun de la notion en fait du point zéro projet, l'IFC site en terminologie IFC. Et via la version, une des dernières versions Nova, on a donc intégré, c'est-à-dire rajouter une condition supplémentaire pour pouvoir mieux collaborer avec Revit et en fait utiliser un point de base projet commun côté architecte et côté MEP. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres de ce processus d'intégration et d'extension progressive de notre interface IFC pour arriver au fur et à mesure des versions à gérer cette collaboration via IFC de manière de plus en plus efficace. Voilà. Merci Julien. Regarde, j'essaie de reprendre, de ne pas en rater. Ça, ok, on a fait. Il y a une question, je pense que c'est plus peut-être pour toi, Thomas. Peut-on récupérer les blocs et gabarits issus d'AutoCAD? Oui, c'est la question que j'étais en train de lire en ce moment même. Alors, tout dépend de ce qu'on veut faire, pour être tout à fait franc, mais effectivement, il y a tout à fait possibilité de récupérer des blocs ou des gabarits qui proviennent d'AutoCAD pour pouvoir les envoyer notamment dans Revit. Donc ça via Stabicad, qui est un plugin qui sera présent donc sur les deux plateformes. Et donc on a développé tout simplement une passerelle qui va permettre d'échanger éléments plus informations entre un, comment dire, un projet sur AutoCAD et un projet sur Revit. Ça concerne bien évidemment les éléments physiques, mais également la partie symbolique, puisqu'en électricité, on va plutôt être sur du symbole que sur de l'élément 3D. Donc du coup, oui, tout à fait, on pourra imaginer de transvaser tout son matériel d'AutoCAD demain dans Revit si je veux démarrer sur cette plateforme-là. Ok, merci. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a pas mal. Il y en a une là concernant Trimble Connect. Trimble Connect intègre-t-il une détection de clash? Juste pour toi, Julien, peut-être ou... Oui, la détection et la gestion des clashs, c'est une des fonctionnalités au cœur de Trimble Connect. Sans entrer dans le détail, cette fonctionnalité va vous permettre de confronter deux ou plusieurs modèles les uns avec les autres, et via un certain nombre de paramétrages, comme par exemple la distance minimale, vous allez pouvoir effectivement laisser Trimble Connect exécuter une liste des collisions. Et surtout, suite à cette détermination des collisions, vous allez pouvoir appliquer les corrections nécessaires via un processus collaboratif qui va fonctionner via le système de notes ou to-dos, c'est-à-dire en français affaires de Trimble Connect, qui est
si j'utilise une terminologie OpenBeam qui sera un petit peu l'équivalent de ce que propose l'OpenBeam avec le BCF, c'est-à-dire un système de notes de révision protocolées, donc qui va vous permettre de suivre, d'échanger, de valider des corrections de réservation, de collision, etc., etc. Voilà. C'est pour ceux peut-être qui connaissent pardon, TeklaBeam Sites, ça reprend dans les grandes lignes, tout en proposant plus de fonctionnalités, le principe qui était proposé dans le TeklaBeam Sites, c'est-à-dire une gestion de collision qui est extrêmement simple et efficace à utiliser et à mettre en œuvre. Ça marche. Merci Julien. Si Thomas, tu voulais compléter par rapport aux propos de Julien. Pas forcément, il a été exhaustif sur le sujet. Ben, bravo. Comme d'habitude, merci Julien. Comme d'habitude, Je vois merci. qu'il y a une question commerciale qui est arrivée. En fait, il y en a plusieurs, donc je vais les regrouper un petit peu. La question, c'est comment bénéficier des offres promotionnelles dont on a parlé. Donc, pour bénéficier des offres promotionnelles, vous avez vu, il y a trois offres. Il y a une offre sur les formations en ligne, donc dans les technologies Vite. Juste pour rappel, ces formations en ligne, vous avez un vrai formateur physique qui est présent et qui partage son écran, qui est présent avec vous. Et donc, ce n'est pas juste quelque chose d'enregistré que vous suivez. Donc, c'est quand même, voilà. Donc, il y a une offre là-dessus. Il y a une offre sur les solutions Triple Connect en version business ou business premium. Et puis, sur une commande globale, que ce soit donc Stabica ou Triple Nova, plus Triple Connect, plus les formations associées. Voilà. Pour en bénéficier, bah, soit vous êtes déjà en contact avec un des responsables de secteur, donc vous contactez directement, sinon vous faites un mail directement sur l'adresse mail générique que vous trouvez sur notre site web, que vous retrouvez aussi dans nos invitations par mail, pour nous contacter, puis on vous rappellera et on vous donnera tous les détails. Voilà, merci, bah, tiens, super, voilà, vous la voyez, donc pas très facile à retenir comme ça, mepinfo-du6fr@trimble.com. Vous pouvez directement envoyer sur cette adresse mail-là et on reprendra contact directement avec vous et on pourra répondre directement à l'ensemble de vos questions. Voilà. Ouais, là, j'ai répondu aux deux, trois questions sur ces offres-là. Je crois que je n'ai pas raté de questions. Il y a d'autres questions pour vous? Peut-être là, il y a une question Sprinkler, là, Thomas, c'est peut-être plus pour toi, ça, je ne sais pas. Oui, tout à fait. Donc sur la partie calcul, le sprinkler au même titre que toute la partie mécanique, donc il va s'occuper plutôt de la plomberie générale, du chauffage, etc., où on va intégrer effectivement un processus de calcul et de redimensionnement pour pas avoir à refaire le travail plusieurs fois. C'est exactement le même principe dans la partie sprinkler, bien sûr avec des normes qui sont spécifiques à ce type de métier-là. Donc on va retrouver la NFPA par exemple, la EN12845 à l'intérieur, et on pourra effectivement dimensionner ces réseaux de sprinklage de cette manière-là. Il y avait une question aussi, je ne sais pas si tu veux que j'y réponde ou toi, comment avoir accès à MapContent, puisque c'est un petit peu une question hybride. Toi tu fais partie de la cellule donc pour le développement du contenu Nova, MapContent, pardon. Donc pour avoir accès à MapContent, on va dire il y a deux aspects. Il y a un aspect vraiment qui est dédié à nos clients qu'on va retrouver à l'intérieur de Stabica, donc via la palette. Donc pour tout ce qui est tracé de réseau, donc je sais pas, les gaines, les tubes, etc. Et une partie ouverte à tous. Donc là, vous pouvez librement vous inscrire directement sur le site MapContent, où on va plutôt être sur une partie d'équipement, donc que ce soit accessoiries ou plus gros équipements, type, je sais pas, des vases d'expansion, des ballons, des choses comme ça. Mais ça, c'est un accès qui est tout à fait gratuit. Et après, bah, de toute façon, ça sera spécifié à l'intérieur. Si jamais c'est un accès par la Stabibas, ça sera marqué, et ça effectivement, ça sera dédié à nos clients. Oui, puis il y a un petit outil pour les utilisateurs d'AutoCAD ou sur Revit, c'est le petit outil, le MapContent Browser, le navigateur MapContent qu'on peut télécharger, qui est gratuit, qui peut aller s'installer directement dans le bandeau. Et donc ça simplifie grandement la sélection et le chargement de ces objets directement dans ces projets. Donc ça, c'est un bon moyen. N'hésitez.
Il y a encore deux, trois questions. On va essayer d'y répondre parce que l'heure file quand même. Ouais, il y a deux, trois questions sur Nova, je vais essayer de répondre en bref. Avez-vous Vas-y. prévu de faire une légende automatique sur Trimble Nova? On gère les légendes automatiques en électricité pour le chauffage, l'alimentation sanitaire, les évacuations, la ventilation, etc. Aujourd'hui, on n'a pas de processus qui permet de générer automatiquement la légende. C'est un sujet qui est régulièrement évoqué, analysé, donc je n'exclus pas la possibilité de devoir intégrer la fonctionnalité à Nova un jour ou l'autre. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas la plus haute priorité. On a énormément de projets en ce moment sur lesquels on est très actif. C'est pas le projet principal. Voilà. J'ai également une question très intéressante concernant la géolocalisation avec Trimble Nova. Elle est très Géolocalisation. intéressante. Ouais, géolocalisation, parce qu'en réalité, la problématique qu'il y a derrière n'est pas vraiment spécifique à Nova, hein. C'est-à-dire que lorsqu'on envisage des processus collaboratifs, qu'ils soient à l'intérieur de la même suite logicielle ou pas, se pose la question du géoréférencement commun. Voilà. Or aujourd'hui, la problématique, c'est pas la technologie, mais c'est tout simplement la standardisation de ces processus, c'est-à-dire se mettre d'accord, parler le même langage concernant la géolocalisation. Or, si on envisage la perspective du point de vue de l'OpenBIM, par exemple, pour ne citer que lui encore, de nouveau, avec les IFC 2X3, on avait un format qui était un format et des méthodologies qui étaient extrêmement immatures. Avec l'IFC 4, on commence à avoir une bonne formalisation de la définition technique de référentiel géolocalisé. Donc on va dire que le format IFC 4 apporte une réponse technique en termes de format standardisé à la possible mise en commun de processus de géolocalisation. Concernant Nova, pour répondre à la question, jusqu'à présent, du fait que justement ces processus étaient, on va dire, trop vagues, on s'en est jamais vraiment trop occupé. Donc, par contre, ce qu'on sait faire, bien sûr, c'est récupérer, si c'est souhaité, hein, par la coordination, par l'architecte, etc., récupérer l'IFC site, c'est-à-dire en fait le point de base projet tel qu'il a été défini dans la solution source d'architecte, par exemple. On va restituer à l'export IFC de notre maquette cette IFC site qui vont contenir les coordonnées GPS. Par contre, c'est bien sûr insuffisant si on envisage, entre guillemets, enfin, un vrai système de géolocalisation tel que le pensent, on va dire, les professionnels du métier. Mais encore une fois, le jour où ces processus y seront bien clairs, bien maîtrisés, surtout pratiqués par les autres acteurs du projet, à commencer par les architectes, bah, pas de souci, on l'intégrera. Mais aujourd'hui, comme c'est pas le cas, de toute façon, je pense pas que ça sert à grand-chose de mettre la charrue avant les bœufs. Laissons les professionnels d'abord se mettre d'accord sur un workflow, sur un standard commun. Laissons ce standard commun être appliqué par les acteurs du projet et ensuite, ben, on intégrera ça si c'est nécessaire. Voilà. Merci beaucoup, Julien. En fait, c'est pas mal de questions qui arrivent. On va essayer de répondre un petit peu à toutes les questions. Il faudra bien qu'on arrête quand même cette session de questions-réponses au bout d'un moment. Je vois une autre question qui est arrivée là, il n'y a pas longtemps. En période de télétravail, existe-t-il des licences Tabicat domicile comme le propose Revit? C'est une question très, très, très précise. On n'a pas attendu que Revit ou que Autodesk propose des solutions de licence à domicile pour le faire chez Trimble. Hein. On l'a fait. Alors, je peux au moins préciser sur la solution chez MOP, sur des solutions de type Trimble Nova ou Stabica. Donc, on en a fait. On a mis à disposition énormément de licences et je voulais remercier vraiment justement Julien en tant que Product Manager de Trimble Nova et puis Thomas et toute son équipe du support technique pour avoir mis énormément de licences à disposition de nos clients. Donc merci à vous. Il y a eu un énorme effort là-dessus. On a fait aussi
On a aussi fait des offres très, très particulières sur Trimble Connect pour aider justement à se connecter à distance. Donc, on a fait énormément de choses, on a mis énormément de choses en place. Donc, oui, on a eu beaucoup, beaucoup de choses en place là-dessus. Donc, oui, on l'a fait, on n'a pas attendu. On a déclenché ça très, très rapidement et on a même pas mal communiqué dessus. Donc oui, la réponse est oui. Répondre à une autre question, c'est une question sur les formations. Est-ce que les formations sont reconnues par l'aide professionnelle d'État? Alors, pour être très précis là-dessus, nos formations ne sont pas des formations certifiantes. Donc, ce n'est pas tout à fait ça. Non. Mais par contre, ce sont des formations qui sont reconnues par les OPCO, ex-OPCA, donc les FAFIEC notamment, Constructis, etc. Donc, vous pouvez bénéficier dans un certain nombre de cas de subventions du gouvernement pour l'ensemble de vos formations de Trimble MEP. Donc voilà. Mais n'hésitez pas à contacter ou à nous recontacter directement, on vous donnera les détails de comment faire. Et bah, je dirais que la plupart de nos clients passent par ces systèmes-là aujourd'hui pour financer tout ou partie de leur formation. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions pour toi, Thomas? Peut-être la question basculement et une question comment je fais pour basculer d'AutoCAD à Revit? C'est plus pour toi, ça. Oui, tout à fait. Alors, j'ai déjà ébauché un petit peu tout à l'heure l'explication avec, avec les blocs AutoCAD. Donc, pour être un petit peu plus précis, du coup, sur cette passerelle d'échange. Donc, le but, c'est effectivement d'envoyer si vous avez déjà travaillé sur AutoCAD, d'avoir intégré de l'information. Le but ultime, c'est toujours d'éviter la redondance de saisie de données. Donc, d'avoir à retaper, ressaisir les données dans un nouveau logiciel dès qu'on fait de l'échange. Donc là, on va pouvoir vraiment envoyer les éléments qui vont être bien sûr localisés. Ils vont se replacer exactement au même endroit sur la maquette Revit ou sur AutoCAD. Ça dépend en fait dans quel sens on va le faire. Et on va vraiment récupérer. C'est pas un copier-coller d'éléments qui va arriver. C'est vraiment une reconstruction totale. Donc, si je passe d'AutoCAD à Revit, tous les blocs qui existent existent également sous forme de famille. Et du coup, lors de cette passerelle, le réseau va être entièrement reconstruit et pas juste, c'est pas juste une image qui va arriver. Et du coup, toute la donnée interne, donc tout ce qu'on a pu rentrer dans AutoCAD, va se retrouver dans Revit ou vice versa si on passe de Revit à AutoCAD. Donc ça permet vraiment d'adapter sa stratégie quant à l'arrivée des nouvelles plateformes pour ceux qui s'y sont pas encore mis parce que c'est voilà, il y a des régions qui sont pas encore tout à fait passées sur des process BIM. Donc c'est une bascule qui est assez importante à faire et du coup ça peut vous aider vraiment à la passer en douceur et ne pas parce qu'en général sur Revit les premiers mois sont un petit peu difficiles, on va dire suite aux formations, parce que c'est un nouvel outil qu'on doit appréhender, etc. Là, ça vous permet vraiment de faire ça en douceur grâce à cette passerelle. Et pour compléter ta réponse, Thomas, donc comme c'est une passerelle qui permet de passer d'AutoCAD, de StabiCAD AutoCAD à StabiCAD pour Revit et de StabiCAD pour Revit à StabiCAD pour AutoCAD, donc dans les deux sens, ça permet après d'adapter éventuellement la stratégie de votre entreprise, d'avoir peut-être une partie de vos dessinateurs projeteurs ou modeleurs qui travaillent sur un projet sous Revit et les autres sur AutoCAD, parce que certains sont peut-être pas encore compétents sur Revit ou pas suffisamment. Ou parce qu'une partie du projet est plus facilement réalisable dans la partie AutoCAD que dans la partie Revit. Voilà, donc après, vous pouvez adapter votre stratégie donc pour faire basculer, si je puis dire, votre entreprise petit à petit d'AutoCAD à Revit ou de conserver les deux parce que vous avez peut-être encore énormément de projets à AutoCAD toujours au sein de votre structure. Enfin, voilà, donc ça vous permet vraiment d'adapter au cas par cas en fonction de votre environnement, des partenaires avec lesquels vous travaillez, du type de projet que vous recevez, de choisir votre stratégie. Donc, n'hésitez pas à revenir voir nous vers. Le responsable de votre secteur pour discuter avec lui et de voir comment et adapter la stratégie d'entreprise à votre marché. Et voilà, la solution donc vraiment pour ça. On a une petite question peut-être encore pour toi éventuellement Thomas ou peut-être même Julien sur l'équipe du support technique. Excusez-moi, je ne retrouvais pas le mute de mon micro. Effectivement,
Donc la question, je vais la retrouver. En gros, c'était ouais, le support technique est-il issu du métier? Alors principalement oui, je vais pas vous dire que 100% de l'équipe l'est, parce que j'ai des gens qui s'occupent pas forcément non plus de l'utilisation logicielle, mais qui sont plus sur la partie des installations, donc tout, on va dire la partie IT, les installations réseau, des choses comme ça. Mais en tout cas, dès que vous avez un problème, que ce soit sur Nova ou Stabicad, c'est des gens effectivement qui vont avoir un certain historique en bureau d'études, en bureau d'exécution, en installation. Donc voilà, l'immense majorité a passé quelques années, une expérience, on va dire, entre 5 et 15 ans pour certains en bureau, avant de nous avoir rejoints. Merci Thomas. Julien, tu voulais prendre la suite, c'est ça? Allez, ouais, j'avais deux questions là sur des collaborations actuelles ou futures avec des logiciels comme Archicad ou Allplan. Je vais répondre pour la partie Nova. Donc la réponse c'est oui. On a des échanges réguliers, notamment avec Archicad et Allplan, concernant on va dire des considérations méthodologiques, d'échange de workflow, etc. Ce qui a notamment conduit à façonner de nouvelles fonctionnalités qui ont été proposées avec la version 15 de Nova. Je vais illustrer ce propos de manière concrète. Donc, dans le plan, vous avez la possibilité à l'export IFC de sélectionner, si jamais vous avez défini plusieurs bâtiments dans votre maquette, d'appliquer un filtre en fait à l'export. Est-ce que je veux exporter le bâtiment A, le bâtiment B, les deux, etc. Et les informations seront également transmises de manière structurée à Allplan, c'est-à-dire que chaque composant du bâtiment va avoir une attribution à l'étage correspondant, au bâtiment correspondant, etc. Et donc dans Nova, on a pris cette structure en compte pour pouvoir collaborer d'une manière plus efficace avec Allplan, de telle manière à ce que lorsqu'on importe un IFC, Nova vous offre la possibilité, si vous le souhaitez, de sélectionner soit un des deux bâtiments, soit les deux. Voilà. Un autre exemple pardon, Archicad, on a intégré la possibilité de récupérer l'orientation du nord issue d'Archicad pour pouvoir en fait récupérer un modèle surfacique, donc pour les calculs thermiques, hein, les DPR, les apports, etc., sans avoir à tourner le bâtiment et donc fausser en fait les coordonnées pour la coordination ensuite avec les autres acteurs du métier. Voilà donc deux exemples classiques du genre de collaboration, pardon, qu'on veut avoir avec d'autres suites logicielles hors Trimble. Par contre, que ce soit de notre côté ou de leur côté, on est très attaché à utiliser le format IFC, qui est un format qui n'est pas parfait encore aujourd'hui, mais qui représente beaucoup d'avantages et qui a surtout une maturité, une robustesse qui fait qu'on souhaite continuer à fonctionner via cette interface OpenBIM avec eux. Voilà. C'est Julien. La question suivante, et puis je pense qu'on va s'arrêter là. Ça fait un petit moment là qu'on est en ligne et on a répondu à la quasi-totalité des questions. La petite question, retrouverons-nous la diffusion de toutes ces questions-réponses en vidéo sur le site de Trimble? Oui, donc en fait sur la diapositive qu'on vous affiche ici là, hein, que vous voyez donc juste en dessous, donc map.trimble.fr/basecamp, vous pouvez directement vous rendre ici. Vous trouverez l'ensemble de nos sessions. Donc les sessions, donc il y en a, si je ne me trompe pas, il y en a plus de 7 sur Trimble Nova. Donc on a essayé de faire des sessions relativement courtes, de 20, maximum 25 minutes. Notamment, il y en a une qui est très intéressante sur les nouveautés de la version Trimble Nova 16 qui est sortie tout récemment, hein. Il y en a 6 ou 7 aussi concernant Stabicad pour AutoCAD, Stabicad pour Revit. Notamment, il y a aussi les nouveautés de Stabicad, la version 12.17 en avant-première qui sera annoncée dans un emailing. Vous recevrez un email d'invitation webinaire pour la 12.17 qui sortira d'ici quelques jours, là, tout début octobre.
On commence en avant-première à vous montrer quelques fonctionnalités, on fait un peu de buzz. Donc vous pouvez déjà regarder la petite session. Et puis, donc je vous ai dit tout à l'heure, rediffusion de la keynote de Rob Painter, de Lawrence Smith, notre VP pour la partie Trimble MEP. Les solutions Trimble Estimation, qui sont pas, je vous ai cité un petit peu dans la keynote tout à l'heure, mais c'est pas distribué aujourd'hui en France, mais c'est déjà distribué aux États-Unis, en Angleterre, en Suisse. Voilà, c'est des choses que l'on a au portefeuille. Qui arrivera un jour ou l'autre sur le marché français. Ça peut être intéressant pour vous de voir un peu ce qu'on fait. Je pense que c'est une très très bonne illustration entre ce qu'on est déjà capable de faire aujourd'hui avec des solutions de design, si je puis dire, et de calcul et redimensionnement comme Trimble Nova StudyCAD, le contenu et c'est tout ce dont on parle, ces fameux 3C, le processus constructible. Voilà, ce genre de solution, Trimble Estimation, permet de faire d'aller jusque-là. Donc, si ça vous intéresse. Bah écoutez, je vous invite à vous rendre sur le site qui est indiqué ici. Si vous avez la moindre question, donc encore une fois, n'hésitez pas sinon à nous envoyer un email. On va vous afficher sur la slide de notre adresse mail. Voilà. Non. Parfait. mepinfo-du6fr@trimble.com pour toute question technique, commerciale, on vous répondra directement là. Et sinon, je dirais, avec Thomas et Julien et toute l'équipe de Trimble MEP France, eh bien, on voulait vous remercier et vous souhaiter une bonne continuation. Et faites bien attention à vous en ces moments un peu particuliers, mais soyons positifs, optimistes et allons de l'avant. Voilà. Merci, bonne journée et bonne session à vous. Merci. Merci à tous. Merci, bonne journée, au revoir.